Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez, s'il vous plaît. Ça, c'était la Coupe du Monde. Cette photo a été prise au Stade de France. C'était la première fois qu'on les amenait jouer là-bas, quand il était dans son club de Roissy-en-Brie. Le fait déjà qu'il soit appelé en sélection, ça a été un grand honneur pour nous, pour la famille. On le suit partout pour l'encourager. Il est très heureux comme toujours. Il est très motivé, il est en forme et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'en finale. Ça m'a un peu énervé qu'ils aient interprété ce geste à leur manière. Mais moi, je sais que le geste-là était un geste de victoire. Parce qu'on était au stade, moi j'étais là, ses frères étaient là, mon fils est bien élevé. Il ne peut pas se permettre de faire, comme ils le disent, ce fameux bras d'honneur. Non. Nous, notre réponse, c'est sur le terrain. C'est ce que Pogba fait sur le terrain. La performance qu'il donne, le travail qu'il fait. On va revenir plus généralement au-delà de l'Euro sur votre place auprès de Paul Pogba. Justement, vous êtes l'une des mamans de joueurs, on va dire, les plus présentes. On vous a vu lors de la cérémonie du Ballon d'Or, par exemple. Ça m'a fait plaisir de l'accompagner là-bas. Ça a été une joie pour lui que sa maman soit à côté pour vraiment cette cérémonie. J'espère qu'il se répétera parce qu'il rêve d'avoir le ballon d'or un jour et je prie et je souhaite qu'il l'ait. Il a son agent, mais on me consulte toujours. Chaque fois qu'ils ont des propositions, ils m'en parlent. Enfin, quand ils m'en parlent, le staff m'en parle. Et je ne suis pas très spécialiste dans ce domaine, mais moi je donne toujours mon avis, comme ses frères aussi. Parce qu'on prend toujours les choses en famille. On se consulte. Heureusement que les frères aussi sont des footballeurs. Ils sont mieux placés pour accepter certaines choses ou pas. Oh, un. Oh, oh, hey. Oh. Oh. Allez, prête, Mamsou est prête, swag. Swag. Comment le dire, telle mère, tel fils. Je suis pas branché comme, mais je suis pas non plus autant ancien.